Bonjour, depuis l'enterrement d'Alain Delon, on attendait de voir sa tombe et puis de connaître la liste des 40 invités. Et on ne sait rien, on n'en sait rien, donc on a appris que son cercueil était noir, qu'est-ce qu'on a, qu'il y avait des fleurs blanches, qu'il y a des musiques qui ont été passées pendant l'office, le clan des Siciliens, et je ne sais plus quelle autre musique. Et on attendait des photos du cercueil de la famille. Et puis ce matin, Anthony Delon a posté une vidéo avec de la musique. Mais en fin de compte, on pensait avoir la tombe d'Alain Delon et pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? C'était les fleurs qui étaient devant l'entrée de la propriété. Je pense que beaucoup de gens étaient pas mal déçus. Bon, et après, il a laissé un message, hein. Merci à vous tous, son public qui l'aimait, merci pour ces hommages spontanés, venus du cœur. Merci à tous ceux qui n'ont pas pu se rendre à Douchy et qui ont témoigné leur admiration ou leur respect avec ferveur partout en France et à travers le monde. Une pensée particulière pour l'Italie qu'il aimait tant, sa deuxième patrie. C'est grâce et à travers vous qu'il continuera de vivre. C'est sympa, mais comme je vous dis, on aurait voulu avoir une image au moins de sa tombe. Voilà, tout simplement. Je pense que ça, les gens auraient voulu le voir. Mais beaucoup de gens sur Internet se posent la question à savoir, est-ce que la cérémonie n'a pas été, entre guillemets, vendue à Paris Match ou à un autre média? Donc ça, on verra plus tard. Allez, je vous dis à plus tard, justement, bye bye.